nous avons tout résultat qui est tombé dans le groupe les Gabio et gain équipe association sportive de Mivalère pas de faire détail qui débat le Jeune Athletic Club de Jacques Lacour qui tombé 2-0. Le Cavalier de Néogan et bien te bat ASC du Cap 2-0 et gain Don Bosco bon côté parle qui fait 0-0 avec Victory. Classement Cavalier 36 points, Violet 35 points, Victory 34 points, Don Bosco 32 points, ASM 30 points, ASC tout gagne 25 points. Alors que tu retournes dans le groupe des champions, côté Valencia, tu écrasé équipe FICA dans le parc Fouache, 3-0 à Léogan. Tempête de Saint-Marcand de en bat América de Cayon, 1-0. Baltimore te fait 0-0 avec Aigle Noir. Donc avec victoire, ça, Valencia a pris une option vers le titre. Mais pour le moment, il est en première position avec 52 points. Mais sous la menace de l'équipe de Tempête qui est en deuxième position avec 46 points. Donc 6 points séparés de l'équipe. Nous connaissons un problème qui était passé dans le dernier match Tempête-Valencia. Et Baltimore est en troisième position avec 43 points, quatrième América de Cayes 40 points, cinquième FICA 40 points et en sixième position l'Aigle Noir du Bel Air avec 35 points. L'autre point, l'actualité, il y a un ministère jeunesse sport et action civique qui est en tête de M. Jean-Ouzel René. Il clôture samedi 6 octobre qui se passe là dans le centre sportif d'Adadou. Programme Combat Vacances été 2012 qui était démarré le 6 août qui s'est passé là. Bien que nous avons là avec fanfare et défilé équipe. Donc, programme ça qui était touché tout le pays à côté plus de 50 000 jeunes qui étaient participés dans le programme ça, dans le football, dans le basketball, dans le volleyball, dans le judo et la trier. C'était bon manteau pour jeunes et t'es arrivé exposé un vieux et artisanal puisqu'il y a une activité socio-culturelle et ministère t'es fait pour te permettre de venir recréer pendant vacances d'été 2012 là. Et là nous avons et match football qui t'es gagné et combite voilà gens qui n'a pas regardé là combite vacances. Et bien sans ça ministre là qui était bel et bien présent ministre jeunesse sport action civique là monsieur Jean Ouzel René dans intervention pendant que l'étape clôturé combite vacances là il dit satisfait vraiment de déroulement programme là qui a démarré le 6 août qui s'est passé là. Et bien numéro 1 ministère jeunesse sport action civique là déjà annoncé programme là continuer année cabine là le ministre des sports Jean Ouzel René. Et puis, environ deux mois, le ministère a relancé le programme, ça que le programme Combat de Vacances, son programme qui prend en charge jeunes après l'école. Donc, on a importance l'école gagnée pendant l'année, mais il est clair que dans tout le cursus pédagogique, on prévoit temps libre pour jeunes. Donc, tout jeunes ont une possibilité, dépendamment de conditions socio-économiques, pour créer, gagner un voyage, gagner faire tourisme local, mais gagner tout qui gagne des activités plus ou moins qui pas organisées, qui ont fait à travers le pays. Nous-mêmes, dans le cadre de ça, nous avons décidé de mettre un programme en place qui consistait à réunir tous les jeunes à faire des activités. Activités sociales, activités sportives, activités culturelles. C'est activité qui fait pendant deux mois ça à l'échelle nationale, dans toute commune. Et plus de 200 centres nous ont créés. Plus de 50 000 jeunes ont participé là-dedans. Donc là, nous avons déjà des activités que les jeunes ont fait dans notre pays. Toute commune côté OEA. Donc nous avons profité de l'occasion ça pour nous remercier d'abord le coordonnateur général de Combat Vacances, M. Ousso Taïs, qui est directeur d'action civique dans le ministère. Et tout directeur départemental qui a avec nous, qui était en dépit de la pile difficulté, mais quand même, le programme ça est venu en réalité. Pendant les vacances, nous n'avons pas seulement gagné un programme comme il est là. Nous avons gagné plusieurs programmes, surtout en matière de jeunesse, en matière d'action civique, c'est activités socio-culturelles, activités récréatives, activités sportives. C'est tout ensemble d'activités ça, que nous faisons. Ouais, soit bien des œuvres jeunes là, qui sont dans tout le pays, hein. Il y a des œuvres artisanales, il y a des séances de photographie, il y a des cours, dépendamment de centre de côté de et principalement au CAI, ça peut être au CAI, des cours en informatique. Donc c'est tout panoplie de cours ça que nous mettons à disposition des jeunes. C'est l'activité de formation également, de formation, activité récréative. Tout. Est-ce que nous avons cette satisfaction? Ah oui, certainement, satisfait des joueurs là, tout le département représenté là, et nous choisissons des échantillons de œuvres que jeunes ont fait venir avoir là. J'en dis tout à l'heure, ce n'est pas le genre d'activité ça, mais quand même,
pas qu'à dire que nous pas satisfait à 100%. Il y a des problèmes, des difficultés qu'on essaie de surmonter et résoudre quand même. Mais là, déjà, résultat, c'est après là, fait que nous qu'à dire que nous sera satisfait du programme que nous mettons sous pied pendant la vacances, au profit des jeunes du pays.